Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Kiosque Côte. C'est samedi 17 août 2024, quatre sujets. À l'ordre du jour, on commencera par la protection de l'industrie locale. Est-ce un frein à la compétitivité? Est-ce du protectionnisme? Qu'en pense le chevalier de la plume, les spécialistes des questions économiques? Mais également, on parlera de la création du département de l'intelligence économique et financière au sein de l'ANR. Analyse et commentaires, c'est donc ce numéro. Mesures urgentes du gouvernement contre la vie chère, pour quel impact à court, moyen et long terme? Le troisième sujet. Et puis, on va finir sur les excédents des trésoreries des 400 millions de dollars américains. Est-ce juste du cosmétique ou encore une performance économique? On en débat dans cette émission qui reçoit pour vous. Bienvenue Marie Bakoumania. Vous connaissez, je préfère présenter juste comme journaliste économique au-delà des autres responsabilités. Merci et bienvenue. En tout cas, ici, on vient comme analyste, économique. Et on voudrait bien rester sous cette casquette-là. Pour jouir bien de sa liberté, même si le Congolais savent déjà qui vous êtes et ce que vous représentez. Amédée Mouarabou, de tout le jour, qui nous fait l'honneur d'être encore là. Merci et bienvenue. Bonjour, Gardé. Et à côté de lui, Faustin Koudiesala, je crois que l'un de meilleur analyste économique, surtout un journaliste très pertinent. Merci d'être là et bienvenue. Merci, merci pour le compliment surtout. Oui, mais ce compliment, je devrais le faire pour chacun d'entre vous. Le problème, c'est que c'est tombé sur vous, mais je crois que le monde, les gens qui ont l'habitude de suivre, surtout ceux qui tiennent l'économie nationale, savent ce que vous représentez. Je commençais par, bienvenue Marie Bakoumania, la question c'est qu'aujourd'hui, on a tous apprécié la sortie médiatique de Julien Paluku, notamment ce briefing avec Patrick Mouyaya, où il est revenu. Pour certains, la première victoire, je dirais, de la diplomatie économique vis-à-vis de la Zambie, notamment sur cette question de réciprocité avec la fermeture qui, finalement, a débouché à un compromis. Votre lecture de ces éléments évoqués par Julien Paluku et quelle analyse faire de cette approche, mais surtout de la stratégie adoptée par l'homme? Oui, c'est un ministre qui m'a toujours impressionné par sa maîtrise des questions économiques du pays. Et c'est quelqu'un qui est très pragmatique. C'est ce côté qui est séduisant. Julien Paluku, en passant comme ça, il nous dit combien de routes il faut construire, le pays a combien de routes, on en a construit combien. Franchement, il faut l'en féliciter. Il faut féliciter Julien Paluku. Par rapport à cette histoire de fermeture de frontières provoquée par la suspension des importations de certains produits par les autorités congolaises, ben il faut dire que la protection de notre industrie, qui est extrêmement fragile, vous rappelez que nous importons presque tout, mais si le peu d'industrie qu'on a ici, on n'arrive pas à les protéger, je pense que ça ne vaut pas, on ne peut même pas parler du développement du pays. Et là, ces mesures de protection de l'industrie, face à des produits qui sont subventionnés de l'autre côté de la frontière, vous vous rendez compte que nous tuons notre pays et notre production. Et pourtant, pour que nous puissions nous développer, nous devons développer les industries, la petite industrie, la grande industrie, et surtout produire et produire davantage. Et je pense que c'est le motif d'habiter tous les dirigeants, y compris nous-mêmes des Congolais, pour que nous puissions accompagner la production. Pour autant, les frontières étant ouvertes, il est aussi question de savoir doser les choses. Il ne faut pas fermer totalement les portes. Les produits pour lesquels nous avons besoin de l'apport des autres, il ne faut pas refuser que ça puisse entrer. Mais on doit veiller sur la qualité, on doit veiller sur la compétitivité de nos produits à l'intérieur des frontières nationales. Merci. Amédée Mouarabou, la question c'est que aujourd'hui, le ministre s'est plaint du transbordement de marchandises qui fait perdre énormément à l'État congolais. Mais on a l'impression qu'à entendre ces dires, c'était un mal abstrait. Est-ce que c'est par le fait où il y a quand même une responsabilité de l'État, notamment au niveau de postes frontaliers avec ces barrières illégales, la présence excessive des agents qui viennent percevoir des taxes parfois de manière cavalière, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des conséquences à ça qu'il faut corriger pour pouvoir résoudre ce problème-là? Exactement. La RDC ne devrait pas continuellement se plaindre. La RDC devrait s'organiser. C'est vrai, le ministre Julien Paluku
a avancé le chiffre de 5 milliards de dollars que le pays perdrait à cause de toutes ces activités frauduleuses, que ce soit les transbordements, que ce soit les fractionnements de marchandises et tout pour les faire passer à travers des voies détournées. Tout ça, moi je pense que c'est de notre responsabilité à nous de nous organiser de manière à ce que que ça ne soit pas tout le monde qui s'aventure à entrer, à franchir notre frontière. Et ça, ça pose la question de la viabilité de nos postes frontaliers. On le sait depuis un certain moment. Donc le gouvernement, l'autorité en RDC devrait travailler pour que nous puissions avoir suffisamment de postes frontaliers viables où il y a tout l'équipement qu'il faut pour taxer toutes ces marchandises qui entrent et sortent dans notre pays. Okay. Donc ça, c'est de notre responsabilité. On n'a pas à se plaindre. Nous sommes un marché important, entouré par 9 pays qui produisent, et notamment dans l'agriculture. Mais c'est à nous de nous organiser pour voir dans quelle mesure on peut stopper ce genre de flux illégaux qui pénètrent impunément sans verser un rond à notre fisc. Sosanku Diassala, beaucoup de langues se délient pour parler d'une forme de protectionnisme dans la démarche du ministre Julien Paluku, notamment son initiative de départ de fermer interdire l'importation encore de certains produits venant de la Zambie. Est-ce que vous voyez les choses de la même manière ou c'était une voie obligée pour pouvoir aussi protéger l'industrie locale dans ce sens-là? Est-ce qu'on est obligé de passer par là pour protéger l'industrie locale? Pas forcément. En fait, bon, ta question, Hardy, c'est il faut poser le préalable. Vous savez, ce qui s'est passé entre la RDC et la Zambie nous a justement rappelé qu'on ne gère pas un pays par à-coup. Parce que la Zambie, juste après avoir pris la décision d'interdire l'importation de certains produits, la Zambie honore les réciprocités, elle a pris la même décision. Ce qu'il ne faut pas ignorer, c'est que... Même si ce n'était pas proportionnel à la base. Évidemment, ça valait la peine que... Parce que finalement, la décision de la Zambie a fait que le ministre du Commerce extérieur se déplace pour qu'il entre en contact avec les autorités zambiennes. Il semble que c'est la Zambie elle-même qui a demandé de rencontrer la RDC. Mais au départ, c'était parce que la Zambie avait réagi. Si la Zambie n'avait pas réagi, je ne pense pas que le ministre du Commerce allait faire le déplacement pour aller à la rencontre de son homologue. Là, évidemment, je ferme la parenthèse. Mais par rapport à toute la question que tu as soulevée au début, par rapport à la protection de l'industrie locale, moi, je crois il ne faut pas ignorer que nous appartenons, comme pays, à un certain nombre de communautés économiques régionales. C'est pourquoi, généralement, quand on adhère à ce genre d'association, à ce genre d'organisme, il faut qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on est prêt à apporter. Nous sommes membres de la SADC, nous sommes membres du COMESA, nous sommes membres de la CEAC, et même, tout récemment, on a ratifié l'accord créant la ZELCAF, c'est-à-dire la zone de libre-échange économique africaine. Si bien qu'il y a certaines décisions qu'on ne peut pas prendre par simple populisme parce qu'on veut plaire à notre opinion publique. Et c'est ce qui est arrivé justement avec... La décision de suspendre de manière tout à fait unilatérale, sans prendre en compte même ne serait-ce que... On peut même aller au-delà de toutes ces organisations régionales. Avec la Zambie, on a signé un certain nombre d'accords dans le cas des commissions mixtes, évidemment. Donc il fallait normalement... C'est pourquoi il faut souvent appeler nos dirigeants à ne pas gérer certaines questions supranationales avec l'émotion. Parce que c'est le pays qui va se discréditer parce qu'on va se dire, mais ces gens, finalement, est-ce qu'ils savent ce qu'ils ont fait? Moi, je crois, par rapport à la protection, par rapport à toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui, le protectionnisme, ça, il faut déjà l'oublier. Parce que l'Organisation mondiale du commerce a été créée par rapport à ça. Et je crois qu'il y a une grande théorie dans les relations internationales, c'est la théorie des avantages comparatifs. Parce que quand on vient dans les échanges internationaux, chacun apporte ce qu'il a de mieux à proposer par rapport à sa spécialisation. C'est qu'aujourd'hui, je comprends, comme Bakou Maïa l'a dit par rapport à Julien Paluku, c'est un ministre que moi j'apprécie énormément, parce que partout il passe, il essaie, dans la mesure du possible, de laisser des traces. Il nous a proposé un plan d'industrialisation quand il était au ministère de l'Industrie. Je crois que ce qu'il dit quand il arrive au commerce extérieur, c'est dans la suite logique de ce qu'il avait fait. Il a une certaine maîtrise de la cartographie. C'est de ce qu'il avait fait au ministère de l'Industrie. Parce qu'aujourd'hui, pour que nous... nous entreprenions à armes égales
même au niveau de serait-ce que régional, il faut qu'on ait quelque chose à protéger. Qu'est-ce que nous produisons aujourd'hui chez nous? Donc je crois que c'est vraiment une question qui doit soulever un débat au niveau national. On a intérêt à ce qu'on ait aussi des industries qui puissent rivaliser avec les autres, les industries zambiennes. Parce qu'on ne peut pas comprendre... Permettez-moi de vous relancer. Quand il parle, par exemple, l'interdiction de l'importation de la bière venue de la Zambie, en interne, en matière de brasserie, on a quand même à revendre. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle en théorie en commerce international, ça, le contingentement, c'est une pratique qui est tout à fait bannie. Dire que tel produit ne va pas entrer ou tel produit... Généralement, si vous voulez décourager les importations de certains produits, agissez sous des armes conventionnelles. Soit vous augmentez les droits des douanes. Okay. Les Américains l'ont fait aujourd'hui avec les Chinois. Okay. L'Union européenne l'a fait avec les Chinois pour les véhicules électriques. La seule, il y a des impositions qui sont allées même à 100%. Mais ils ne disent pas que non, nous interdisons les véhicules chinois d'entrer. Parce que là, vous offensez les règles du commerce international auxquelles tout le monde a souscrit. C'est pourquoi aujourd'hui, en fait, bon, on ne peut pas du coup se réveiller un matin et dire non, on interdit tout ça. Parce que les consommateurs, dans la théorie la plus élémentaire du consommateur, le consommateur ne va que là où il trouve satisfaction en fonction de son revenu. Si pour la bière, par exemple, un consommateur de la bière, il sait qu'avec 500 francs congolais, par exemple, je suis incapable d'acheter la bière qui est produite ici à Kingabwa, et qu'avec 500 francs, je suis en mesure d'acheter une bière qui est importée de l'Angola et qui va me donner satisfaction, vous ne pouvez pas le lui interdire. C'est évidemment, c'est à l'État. C'est pourquoi on repose encore cette question sans pied éternel à laquelle on revient depuis toujours. Il faut que l'État s'assume. Parce que chez nous, l'État ne s'assume que quand il s'agit de prélever des droits et taxes. Mais l'État doit s'assumer pour accompagner aussi l'industrie locale par voie de subventions, par la voie de dégrèvement de certains impôts, de certains droits et douanes. Parce qu'il faut, qu'on accepte que nous, voilà, nous avons souscrit à ce que notre marché soit ouvert. On ne nous interdit pas de les protéger, mais il faut les protéger tout en prenant en compte les engagements qu'on a pris de part et d'autre. Et ces engagements nous interdisent de bloquer certains produits parce que nous ne sommes pas en mesure de satisfaire notre propre demande. Ça, ce sont des armes non conventionnelles. Voilà. Alors, bienvenue Marie Wakumania. La question c'est que Fossakou Diassala pense qu'on pouvait utiliser d'autres méthodes pour pouvoir faire valoir nos droits à ces niveaux-là, mais la question... Peut-on comprendre l'attitude de la RDC par le biais du ministre des Commerces extérieurs? Parce que la même Zambie, sans passer par des voies régulières, avait une fois fermé des frontières. Il avait interdit l'importation de maïs pendant qu'il y avait pénurie chez nous. C'est parmi les raisons, le source de conflit aussi, à l'image. Est-ce qu'aujourd'hui, il était nécessaire d'utiliser, un peu forcer la main à la Zambie à ces niveaux-là pour rééquilibrer les débats, surtout pour un État avec qui on a des accords, notamment des accords où on a facilité la circulation de biens au niveau post-frontalier. Est-ce qu'il fallait forcément passer par là où vous partagez le point de vue de Faustin? Bon, moi, je comprends le point de vue de Faustin, okay. Mais je le partage pas. D'accord. C'est un point de vue qui est défendable, c'est un point de vue qui est scientifiquement qui tient, qui interpelle. Mais par contre, dans le contexte, il s'est posé un problème. Il s'est posé un problème qu'il y avait des choses qui se passaient de l'autre côté de la frontière, qui occasionnent des manques à gagner chez nous. Okay. Ben, nous ne pouvons pas regarder au nom du commerce international qu'on viole les règles qu'on a... Et qu'on détruise notre économie. Ouais. On a l'obligation de protéger notre économie. Mais la vraie question n'est pas celle-là. La vraie question pour moi, et je n'arrêterai pas de revenir régulièrement, la vraie question, c'est de diversifier notre économie, d'opérer des petites avancées. On en a besoin. Okay. On en a besoin. On ne va plus se plaindre parce que le produit qui viendrait de la Zambie coûterait moins cher par rapport au produit que nous produisons ici chez nous, simplement parce qu'on n'a pas été imaginatif. Qu'est-ce qui peut manquer dans notre pays pour que nous puissions conditionner nos fruits désormais? Qu'est-ce qui manquerait pour que nous ne puissions plus importer les jus d'Afrique du Sud? C'est pas compliqué, nous avons tout ici. Il est possible de le faire. Même si on va me dire il manque de l'électricité, il manque de... Mais non, le peu d'électricité qu'il y a, on peut facilement transformer des choses ici chez nous pour le besoin de notre marché interne. C'est le plus important. Tous les restes, c'est cosmétique. Le plus important, c'est de travailler pour nous-mêmes
et de produire pour nous-mêmes, pour notre propre consommation, si on peut ne plus que commencer à résoudre le problème de la nourriture, on ferait déjà un grand pas. Ok. Je voudrais compléter, Bakou, par rapport à cette nécessité d'arriver à produire localement. Mm-hmm. C'est vrai que c'est un vœu. C'est un vœu. Moi, je n'aime pas revenir sur un discours qui devient presque une rhétorique qui finira par nous endormir, cette diversification de l'économie. On en parle depuis 20, 30 ans, 40 ans même. Je crois le plus important aujourd'hui, oui. C'est pourquoi je félicite la démarche du ministre Palouko, parce qu'il est cohérent. Mm. Il est cohérent dans ce qu'il fait. Il faut qu'on relance les débats sur la mise en œuvre du plan d'industrialisation nationale. Parce que c'est un plan qui plonge les jalons. Okay. Si on veut, c'est vrai qu'on exprime tous le vœu de produire localement, mais il y a un document qui existe. Okay. Il ne faudrait pas qu'on les classe dans les tiroirs, qu'on dise non, voilà, on veut bien avoir des industries. Mais si vous lisez ce plan, c'est un plan qui est ambitieux, c'est un plan qui est chiffré, je crois que c'est plus de 50 milliards de dollars. C'est faisable. Parce qu'on pose au moins, il y a des balises. On dit voilà ce qu'il faut faire. Voilà, c'est parce qu'aujourd'hui, Yann, ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas interdire à ce que les consommateurs congolais aillent trouver satisfaction ailleurs. Quand il ne sait pas se contenter de ce qui est produit localement. J'ai donné l'exemple de la bière, mais on peut multiplier des exemples. Bienvenue a donné l'exemple du jus tout à l'heure. C'est-à-dire, si, avec mes maigres revenus, je sais que je peux bien trouver satisfaction en achetant un produit qui vient de l'étranger, je le ferai, au nom de la rationalité. Bon, j'aimerais entendre l'avis d'Amédée, mais que faire quand cela repose sur une stratégie un peu comme du dumping, qui est venue juste dans l'idée des pouvoirs ? Engager une concurrence déloyale dans l'idée, dans les intérêts, plusieurs intérêts peuvent être mis en compte, notamment le souci de rapatrier des devises, comme la plupart des autres le font. Qu'est-ce qu'il faudra faire à ces niveaux-là? Est-ce que vous voyez l'État être léthargique quand cette méthode-là, qui se cache derrière la satisfaction, mais repose plutôt sur une stratégie dans l'idée de détruire l'économie? En fait, je prolonge un peu l'idée de Faustin. En fait, la compétitivité des entreprises est un enjeu économique majeur, pour lesquels l'État et les entreprises devaient travailler ensemble, en fait. Okay. L'État devrait donner un écosystème qui permet à nos PME de travailler et de produire et d'être compétitives. Et ça, ça demande absolument des infrastructures. C'est important, c'est fondamental. Vous savez, à Kinshasa, ici, il y a très peu d'entreprises qui travaillent à plein régime, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'électricité. Dernièrement, on a donné un petit marché à un imprimeur pour les polos. On lui donne, bon voilà, vous allez imprimer 2000 polos à ce prix-là. Il dit non, comme si je dois fournir ça, je dois livrer ça dans 48 heures, je ne saurais pas le faire parce que je n'aurai pas le courant pendant les 2 jours-là. Et si j'utilise un générateur... Je travaille à perte. Je travaillerai à perte. Donc moi, ça ne m'intéresse pas, donc tu peux donner à quelqu'un. Vous voyez, parce que l'écosystème n'est pas favorable à ce que les entreprises... Alors, qui pouvait prendre le marché, le sous-traiter peut-être à quelqu'un qui aura de l'électricité pendant les 2 jours. Mais, ça aussi, c'est de l'intelligence. Mais le problème demeure pour cette entreprise-là. Le problème demeure. Si tout l'écosystème était favorable à son activité, il pourrait prendre ces marchés-là et les gérer pour lui. Et quand vous avez des milliers d'entreprises comme ça qui sont livrées à tous ces obstacles-là, en tout cas, n'attendez pas que ces entreprises-là puissent être compétitives par rapport... Vous allez garder la main, on passe au deuxième sujet, on va faire juste un tour de table. Création d'un département de l'intelligence économique et financière au sein de l'ANR. On se pose beaucoup de questions quand on sait qu'il y a déjà une forme de surcontrôle à ces niveaux-là avec d'autres structures. Quelle serait la cohabitation de ces structures avec les autres qui existent? Pour ne pas citer aussi l'inspection générale de finances, quel est le regard que vous jetez sur ces services d'intelligence, que d'aucuns pensent que c'est encore un service de trop? Écoutez, moi, quand j'ai appris, j'ai suivi à la télévision la création de ce service, je me suis dit, bon, ça y est, on a compris que ça passe également par là. Okay. Les services d'intelligence, ce n'est pas seulement la sécurité sur le plan politique, sur le plan social, mais c'est aussi des projections sur le plan de l'intelligence. Okay. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on les qualifie des services d'intelligence. Mm-hmm. C'est parce que les grandes réflexions peuvent venir de là. Bon, par après, lorsque je suis les déroulés
de l'ordonnance, je me suis quand même posé quelques questions. Okay. Hein, j'ai dit, c'est on a retrouvé les prérogatives des autres services. Oui, justement, comment est-ce que ça va cohabiter? Mmh. Je suis en train de regarder le document de manière critique. Je me dis, il y a encore un travail pédagogique à faire. Il faudrait que les gens, les animateurs qui ont été nommés, comprennent qu'ils sont là beaucoup plus pour la réflexion et non pour la répression. Hein, parce que les organes de répression existent déjà. Hein, ils doivent se comporter en véritablement un service d'intelligence. C'est-à-dire un service qui s'assoit, hein, qui regarde dans le secteur des assurances qu'est-ce qui est préférable de faire, hein, qui regarde dans le secteur de la poste, qu'est-ce qu'il va falloir faire, hein, dans le secteur bancaire, qu'est-ce qu'il va falloir faire, plutôt que de se lancer directement dans la répression. Moi, je pense que le temps de la répression, on peut la laisser, le travail de répression. Il y a beaucoup de structures qui existent pour ça. Okay. Il faut que cette structure qui vient d'être créée se concentre dans la réflexion, dans la production, de la recherche, voilà, ça tombe bien. Mmh. On parlait de la dématérialisation du budget. Mmh. Voilà des réflexions qui peuvent faire l'objet des grandes études au niveau de cette structure qui vient d'être créée. Mmh. Moi, je continue encore à voir et à comparer afin que je puisse me faire une vraie religion sur ce qui doit être fait. Alors, Amédée, on parle aujourd'hui de la réduction de train de vie, parce qu'on dit qu'on a des institutions qui sont budgétivores. D'une part, on en crée d'autres. Quelle est la vraie valeur ajoutée de ce service quand on sait qu'au-delà de la réflexion, même en termes de réflexion, on a un conseil économique et social qui devrait aussi être cette partie de réflexion de l'intelligence économique? Oui, déjà, moi, je trouve que c'est une excellente idée, la création de ce département d'intelligence économique et financière. Je trouve que c'est une bonne idée. Une bonne idée, pourquoi? Parce que posons-nous les bonnes questions. Est-ce qu'il y a toujours de la criminalité économique et financière en RDC? Oui, il y en a. Et pourtant, il existe des institutions de contrôle. Il y a l'IGF qui est là, il y a la Cour des comptes, il y a la CNAREF, voilà. Il y a la police, il y a le parquet. Il y a le parquet financier qui est en gestation. La corruption continue, les crimes économiques et financiers continuent. Et donc, pour moi, créer une nouvelle institution qui va s'occuper de l'intelligence économique, en fait, ici, il s'agit de quoi? Il s'agit, en fait, d'un service qui, j'imagine, va garantir les intérêts vitaux du pays, dans le sens où ils vont justement travailler plus dans l'intelligence pour anticiper le problème qui pourrait atteindre non seulement les pays, même les entreprises. Moi, je vois ces départements, par exemple, puisqu'ils sont là plus pour analyser les faits économiques, les faits financiers, analyser les climats des affaires, même dans la sous-région, et en tirer des conclusions. La conclusion, ça peut être que, ah non, vous, Congo, faites attention parce qu'il y a une autre entreprise qui est dans votre secteur qui va s'établir dans tel pays et nous pensons que peut-être, vu les financements qui seront mis dans ces projets-là, vous pourrez peut-être perdre votre clientèle. Voyez comment ajuster vos capacités de production et tout. C'est ça, au fait. Très vaste. Quand, si vous confusion. Me... Parce que le gens aimeraient savoir quel est votre regard sur ce service-là. Parce que si on parle de questions de répression, si on parle de questions de suivi, il y a tout un corps d'inspecteurs, il y a différents services pour pouvoir faire le travail assez haut. Si on veut parler de la réflexion, je citais ici, il y a le Conseil économique et social qui veut être le conseil exécutif en cette matière-là. Quel serait le domaine des prédilections? Quel est le champ par excellence de ce service pour pouvoir apporter cette intelligence économique sans forcément tomber dans la répression? Bon, moi, je ne veux pas partager le même optimisme qui est bienvenu au... Mais votre mounière nous en dit quelque chose. Non, pas forcément. C'est-à-dire, d'abord, la création de ce département d'intelligence économique au sein de l'ANR m'a étonné parce que je me suis dit, donc depuis tout ce temps, il n'y avait aucun département ou une direction qui traitait de ces matières-là. Évidemment, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'ANR, parce qu'il ne faut pas on se voit à la face, l'ANR aujourd'hui, dans la conception ou dans son fonctionnement, l'ANR, c'est pour protéger le régime, point barre. Et aujourd'hui, quand on crée un département d'intelligence économique au sein de l'Agence nationale des renseignements, moi d'abord, la première impression, je me suis dit, bon, donc ça n'existait pas avant.
Et le grand problème, c'est que, tu vois, cette multiplication de services va finir finalement par affaiblir l'action publique. Parce qu'aujourd'hui, l'ANR relève de la tutelle du ministère de l'Intérieur. Oui. C'est aujourd'hui ce département d'intelligence économique rendant compte au ministre de l'Intérieur. Parallèlement, il y a au niveau du gouvernement, notamment au niveau du ministère des Finances, une direction d'audit et contrôle, qui fait exactement la même chose, qui a pratiquement les mêmes missions. Lui rend compte au ministre des Finances. Et au niveau de la présidence, on a l'inspection générale des Finances, qui fait pratiquement la même chose. Traquer les infractions économiques, renseignements financiers, ainsi de suite, qui lui relève la présidence de la République. Et puis, il y a un autre service, la CNRF, cellule des nationales des renseignements financiers, qui relève du ministère de la Justice, qui lui aussi aura pratiquement les mêmes attributions. Oui. Et on peut même aller plus loin. Il y a encore au niveau du Parlement, la Cour des comptes, qui fait pratiquement la même chose. Mmh. On peut encore pousser la logique beaucoup plus loin, parce que récemment, on a encore créé, je crois, une agence des numériques, quelque chose de pareil, là, qui était là pour traquer la cybercriminalité, qui relève, lui, et de la présidence et du ministère des télécoms. Avant, c'était le ministère du numérique, mais comme on a fini par fusionner. C'est qu'on se retrouve avec 5 services de l'État qui font pratiquement la même chose. Troisième sujet, on va aussi faire un tour de table rapidement. Des mesures urgentes contre la vie chère, les impacts à court, moyen et long terme. On est déjà après, je crois, 2 semaines depuis l'annonce du VPM de l'économie. On attend jusque-là le décret de la Première ministre. Mais à moyen et long terme, les gens continuent à se poser des questions parce que c'est des mesures autrefois qui ont déjà été prises. Qu'attendre à court, moyen et long terme? Il faut 5 ou 10 à ça, là, de ces genres de mesures, parce que le Congolais est devenu trop exigeant, commence déjà à vouloir ressentir certaines implications de ces mesures-là. Comment pédagogiquement expliquer aux Congolais le retombées qu'ils peuvent recoller? Évidemment, bon. moi je ne cache pas, je suis un peu sceptique, hein. Je ne m'en cache pas. Quand vous mettez votre Monnieré, vous êtes trop sceptique. Je suis un peu sceptique, bon. Monnieré, là, c'est juste... C'est l'esprit oppositionnel. C'est juste un accoutrement. L'esprit oppositionnel, ouais. Ça n'a rien à voir avec une quelconque considération politique, non. Évidemment, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les mesures urgentes là ne touchent qu'une catégorie de produits, c'est 9 seulement. C'est pas tous les produits. Évidemment, ce sont des produits de grande consommation. Des premières grande consommation par rapport à qui, par rapport à quoi, je ne sais pas. C'est-à-dire, bon. Et puis, ce qui m'a encore tiqué, c'est que dernièrement, quand le VPM à l'économie est allé s'expliquer au niveau du briefing sur toutes ces mesures-là, j'ai l'impression que ces mesures. Parce que le mal pour nous, c'est que. Généralement, quand on prend un certain nombre de décisions, on réduit la République à Kinshasa seulement. Et quand vous lisez ces mesures, réellement, cette impression-là ressort. C'est-à-dire, on a pris ces mesures par rapport au marché de Kinshasa, sans évidemment prendre en compte toutes les considérations à l'est, au sud, tout ça au centre. C'est pourquoi le VPM a été même pris. Il dit non, pour les zones où il y a encore l'état de siège, c'est-à-dire les provinces du nord, Kivu et de Ituri, il y aura des mesures spécifiques. Okay. Bon, on suppose que ça va atténuer, mais vous savez, ça nous ramène à ce qu'on a dit au début avec la production locale. C'est-à-dire, parce que tous ces produits-là, ce sont des produits d'importation. La grande manœuvre qui doit être entreprise à notre niveau, c'est il faut qu'on arrive à se satisfaire localement. Et la meilleure façon de se satisfaire localement, il faut qu'on crée les conditions pour l'émergence d'une offre nationale. Parce que quand quelqu'un a besoin de maïs et qu'il ne sait pas le trouver localement, il va acheter ailleurs. Or, le maïs, Julien Paluku l'a dit dernièrement, tous les produits là qui ont été indexés par le gouvernement avec les mesures, ce sont des produits qu'on peut produire localement ici. Je m'excuse pour la technologie, mais on peut les faire localement. Parce que dans les provinces, il y a des provinces où le maïs pourrissent. Pourrissent, oui. Parce qu'on ne sait pas les évacuer. C'est pourquoi aujourd'hui, la grande question, il faut que d'abord nous nous recentrons sur nous-mêmes. Parce que, bon, c'est vrai qu'on dit, bon, ce sont des mesures conjoncturelles, mais pour nous sauver durablement, il faut prendre des orientations structurelles. Et les orientations structurelles, c'est qu'il faut mettre en place des structures économiques, il faut mettre en place des structures qui accompagnent les producteurs locaux, parce qu'ils existent. Même si on doit importer. Moi, je me rappelle à l'époque, bon, quand le pays-là était encore normal, évidemment. À l'époque, dans nos familles, quand vous mangez des poulets là qu'on appelait bimbadoula, c'est-à-dire des poulets importés, mais c'est que vous êtes une famille pauvre.
Ça dit, nous, on mangeait de poulet, vous allez acheter un poulet, une poule au marché, en scellé, vous venez à la maison et dites, voilà. Ce sont au tambour. Voilà. Et c'était ça notre vie. Mais on a pris goût. Finalement, tu vois, les mal pour les importations, c'est que si vous accommodez trop aux importations, vous finissez par tuer votre industrie locale. Parce que les importations aujourd'hui, on fait que on s'est dit, bon, de toute façon, les riz, il faut voir quand on arrive à l'approche des festivités de fin d'année, comment les Libanais, les Indo-Pakistanais jubilent. Parce qu'ils disent, maintenant, on va faire des bonnes affaires. Mais avant même avec les riz, nous, quand on mangeait des riz, on se disait, ah, ça, c'est les riz Bumba. Ça vient de l'Équateur. Mais ce n'est qu'après, quand l'État s'est totalement désengagé du secteur productif, et finalement, on s'est dit, bon, on va maintenant suppléer avec les importations. C'est pourquoi la grande question, il faut que l'État revienne comme producteur. Parce que tant que l'État ne va se contenter toujours de son rôle de consommateur, on va se retrouver dans un cercle vicieux. Et je vais chiter parce que quand vous lisez les mesures gouvernementales, on l'associe à la stabilité de la monnaie nationale. Moi, je suis de ceux qui remettent en cause, à moins théoriquement, les options levées par la Banque centrale. Un pays ne peut pas continuer à lutter seulement contre l'inflation. C'est un non-sens. Aujourd'hui, la Banque centrale doit réviser sa politique monétaire. Il faut qu'il nous propose une politique monétaire qui va vers la croissance. Elle est constamment dans le contexte de crise. Pour la Banque centrale, le plus important, c'est l'inflation. Tant que l'inflation est contrôlée, il a déjà rempli sa mission. Or, l'inflation, là, si les prix sont en train de prendre de l'ascenseur sur le marché, c'est parce qu'il y a un déficit entre la demande et l'offre. C'est que le nez de l'inflation, c'est parce que l'offre locale ne sait pas rencontrer la demande. C'est qu'il faut jouer sur l'offre. Or, la politique de la Banque centrale s'est dit, bon, tant que je peux équilibrer l'offre et la demande, moi, je suis dans les règles. Aujourd'hui, il faut nous proposer une politique de la croissance, pas une politique de lutte contre l'inflation. Merci pour la politique de la croissance. Amédée Morabou, je poserai pratiquement la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre, le Congolais est devenu trop impatient, aujourd'hui, à moyen, à court et à long terme, on a l'impression que ça commence à ressembler à des VPE. Oui, c'est malheureusement le cas. Mais si on est-il pas que pour un décret, est-il que est-il que avec le décret que la première ministre va prendre, si c'est pas déjà pris, non, pas encore, je crois, ça aura un impact sur la baisse des prix de ces neuf produits. Du moins pour ces neuf produits. Mais c'est comme Faustin l'a dit, ça c'est conjoncturel. En tout cas. Moi, je suis pour un pays, je suis pour un nivellement par le haut d'un pays. Je suis pour le nivellement par le haut d'un peuple. Les Congolais ne doivent pas être des éternels assistés. Que voilà, ils n'ont pas assez d'argent, on diminue le prix pour qu'ils puissent acheter. Mais non, Faustin l'a bien dit tout à l'heure, une politique de croissance, c'est une politique, par exemple, qui verrait à ce qu'on rehausse un peu les salaires minimum des travailleurs. Puisque si j'ai suffisamment d'argent dans ma poche, je ne vais pas nécessairement manger du foufou. Je peux acheter des pommes de terre. Je peux manger une pizza. Voilà. Je peux me permettre de manger une pizza. La bourgeoisie comprendra. Les Congolais, moi je dis que les Congolais. C'est de la malbouffe. Hein. Les Congolais, par moment, ce n'est pas tous les jours. Oui. Les Congolais ne devraient pas rester des éternels assistés. Non. Moi, je pense qu'il y a des indicateurs économiques qui sont fondamentaux, notamment les salaires minimums et les taux d'échange, par exemple. Si aujourd'hui, je voulais parler de taux de chômage. Si aujourd'hui, chaque Congolais a un travail, mais il a un revenu, et ce revenu va lui permettre d'acheter ce qu'il peut. C'est qu'il voilà. Alors, mais quand on est dans un pays où le chômage est des masses comme les nôtres, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de revenus. Et même quand on baisse, on va baisser ses produits, mais quand tu as 0 franc dans la poche, mais tu n'achètes rien du tout. Donc, comme Faustin l'a dit, on ne doit pas avoir cette obsession au taux d'inflation, cette focalisation au taux d'échange. Non. On peut pas. Il y a d'autres indicateurs économiques qui sont fondamentaux, le taux de chômage, les salaires minimums. Quand on rehausse tout ça, la règle de l'économie, c'est aussi un problème conjoncturel, solution de fois conjoncturelle. Mais au-delà du structurel. C'est conjoncturel, je veux poser la question. C'est à nous de prendre, mais
J'ai l'impression qu'ils n'ont vraiment pas répondu à ma question. C'est vrai qu'on est dans un contexte, c'est un problème conjoncturel, on le sait, mais on a pris des mesures conjoncturelles pour pouvoir soulager la population pendant une période. Mais ce qui se fait que le délai entre un simple décret que la Première ministre devrait prendre, jusque-là, on attend encore. Ce qu'on veut savoir, c'est à quoi s'attendre à ce genre de mesures, disons à moyen, bon, si on ne veut pas dire à très court terme, mais à moyen et à long terme, à quoi s'attendre? Justement, les amis ont tout dit, mais j'ai juste commandé une petite observation à Faustin. L'État, dans un contexte d'économie libérale, on veut dématérialiser le budget, on ne doit pas avoir d'être producteur. Non, on ne doit pas avoir cet État-là, ce serait un recul. Hein. Aujourd'hui, l'État doit rester ses régulateurs de l'économie, ses régulateurs des affaires. On a atteint un certain niveau, il ne faudrait pas qu'on revienne à une économie dirigée. Bon, cela étant dit, les mesures conjoncturelles actuelles, c'est malheureusement le cas, ne nous permettent pas de nous projeter à moyen terme. Parce qu'on est en train de résoudre un problème ponctuel, un problème qui s'est posé, les taux d'inflation, la déstabilisation. Ça devrait nous ramener vers les structurels, nécessairement. Absolument, justement, c'est ça la faiblesse des mesures qui ont été prises. Ces mesures servent à stabiliser, à répondre à une question qui s'est posée. Mais ces mesures ne nous permettent pas de nous projeter dans une année, deux ans. Oui. Ça ne nous permet pas de nous projeter. Et ça, c'est très dangereux. Parce que ça ne nous permet pas de dire que l'État a pensé à prendre de manière structurelle les réponses appropriées aux problèmes posés. Donc là, on peut tout reprocher à la Banque centrale. Les taux directeurs de 25%, bon, le taux directeur doit être... Qui n'a presque pas d'impact parce qu'on ne sait pas financer l'économie congolaise. Il doit être supérieur au taux d'inflation. Oui. Mais le taux d'inflation est de combien? On est autour de 21%. 21%, oui. Donc, le taux directeur ne peut être qu'à ce niveau-là pour être attractif. Mais pour autant, on ne peut pas s'installer dans ça. C'est ce qui est dangereux. Et je pense qu'Amédée l'avait dit lors de deux précédentes émissions, ça fait une année que ça dure, alors que ça devait être ponctuel, deux, trois semaines, on passe à autre chose. Mais aujourd'hui, on s'est installé dans ce taux directeur usurier de 25% qui ne permet pas de financer l'économie. Et du coup, ça ne donne aucune perspective pour les jours à venir. Et je pense que ce sont des questions fondamentales pour lesquelles le gouvernement doit se pencher et donner des réponses appropriées. Ce ne sont pas des compétences qui manquent dans ce gouvernement, qui ont des bonnes potions à appliquer pour qu'on puisse trouver la solution. Et ça sera quoi le problème si les compétences sont là? Les compétences sont là, ils n'ont qu'à se bouger. Ils n'ont qu'à se bouger. Pour le moment, ils n'ont qu'à se bouger. La première ministre doit bouger, le ministre de l'économie qui dirige le compartiment économique du gouvernement, un grand professeur d'université, il n'a qu'à bouger, à bouger sa tête. On a des intelligences comme... Et on espère qu'ils vont se bouger le plus vite. Les gens, Lucien Boussa, ce sont des intellectuels, les Doudou Fouamba, ce sont des gens qui démontrent qu'ils peuvent apporter des intellectuels, mais réponses. Beaucoup de Congolais, on espère qu'ils sont vraiment intellectuels pour pouvoir agir dans le délai. Mais sur le dernier sujet, la dernière thématique, je préfère que Faustin Koudiassa la commence. La question des excédents des trésoreries. On parle de 400 millions. Mais quand vous ne payez pas les agents de l'État, pas tous. Quand vous ne payez pas les membres de l'exécutif qui, jusqu'à aujourd'hui, quand ces institutions fonctionnent sans frais de fonctionnement jusqu'à preuve du contraire, quand il y a des dépenses que vous retenez encore, est-ce qu'on n'est pas dans le cosmétique? Au lieu de cette politique d'austérité dont on évoque, dont l'idée de pouvoir faire évoluer les choses? Bon, je ne pense pas. Vous savez, bon, moi je dis toujours aux gens, vous savez, quand on parle d'économie, pour éviter de verser dans les hallucinations, autant la meilleure façon de convaincre, c'est d'opposer les chiffres. C'est-à-dire, quand vous dites par exemple, les fonctionnaires ne sont pas payés, bon. Bon, pas les fonctionnaires, les fonctionnaires sont payés. Oh, moi je sais, y a, les enseignants sont payés, les militaires sont payés, bon, évidemment. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, l'excédent, parce que bon, quand il y a des journaux qui ont relayé ces messages, comme toujours dans notre opinion publique, là, les gens se disent, bon, au moins c'est une communication du ministère des Finances. Il n'y a rien de... Et c'est ce que vous avez poussé à chiter avec votre question de... en faisant des cosmétiques. C'est que vous êtes tombé dans le même panneau. Bon. Non, je ne suis pas tombé, je pose juste la question. J'aurais peut-être dit autre chose. Vous êtes tombé dans le même panneau. Dans une autre posture. En fait, bon, ce qu'il faut dire, c'est que... Quand on dit un excédent de trésorerie, en termes simples, ça veut dire que
Après avoir effectué toutes les dépenses et les charges. Et les charges, voilà ce qui nous est resté en trésorerie. Cela ne veut pas dire que non, les 4 salaires sont figés. Non. Et la période est bien limitée. On dit excédent de trésorerie d'environ 400 millions de dollars à fin juillet. Donc on suppose que déjà le 1er juillet, et le 1er août, déjà, il y a certainement cet excédent qui commence à être grogné. Mais je peux vous donner un exemple. Qui commence à être grogné. Maintenant, on a tenu le même discours. Maintenant, quand vous dites... En mars 2020, je crois avec Nicolas Cazadi, on a tenu le même discours pendant 7 ans. C'est plutôt avec les autres dépenses qui n'ont pas été effectuées, mais ils nous ont ramenés dans cette politique-là. Comment vous voulez qu'on ne retombe pas dans ça? C'est aussi, vous parlez de chiffres, ce ministère de Finances... Ce que vous oubliez aussi, Diane, bon, je ne veux pas me décharger sur vous. Oui, décharger, je représente évidemment, cette population. Vous représentez le pouvoir public. Oui. Ce que vous oubliez aussi, c'est que depuis, je crois, 2020, il y a un pacte qui a été signé, on appelle ça pacte de stabilité, économique. Pas 2020, je crois que c'est depuis, je crois que Matata l'a commencé. Non, c'est depuis celle que ce pacte a été formalisé. Oui. Ce pacte lie le gouvernement et la Banque centrale du Congo. C'est-à-dire, le pacte dit ceci, c'est-à-dire, on ne peut dépenser que sur base caisse. Quand on dit dépenser sur base caisse, on dépense qu'en fonction de ce qu'on a. Et quand on parle, c'est pourquoi je reviens toujours sur cet excédent de trésorerie, il faut que les gens comprennent. C'est-à-dire, dans l'opinion, quand on dit, bon, excédent de trésorerie, les gens se disent, bon, les autres ne sont pas payés, mais il y a quand même l'argent qui est resté. Non. D'abord, quand on donne un chiffre, il faut d'abord positionner ce chiffre-là sur une période. L'excédent, c'est pour les 7 premiers mois de l'année. Donc, de janvier jusqu'à fin juillet. Et un excédent de trésorerie ne veut pas dire que non, c'est un excédent qui est figé. Non. Évidemment, il y a encore des dépenses qui sont dans les pipes. C'est ce qui fait même que la chaîne de la dépense existe. Parce que, bon, on a toujours dénoncé ces dépenses en urgence. Au moins, il faut féliciter le nouveau ministre des Finances parce qu'aujourd'hui, pour le mois de juillet, les dépenses hors chaîne de la dépense ont été ramenées à 7%. 7%, oui. Et pour le mois d'août. On parle d'un total, je crois, de 300 000. Voilà. Et pour le mois d'août, on s'attend à ce qu'il y ait un supplément de 1% pour être ramené à 8%. Parce qu'il y a des dépenses sécuritaires, ainsi de suite. Ça, on est dans une certaine démarche. Et moi, je félicite encore une fois, sans évidemment lui jeter de fleurs. Parce que, au moins, il a eu le courage de discipliner un peu le paiement de la dette intérieure. Parce qu'aujourd'hui, il a pris l'engagement que non, voilà, la dette intérieure ne sera payée que... C'est-à-dire le gouvernement ne va payer une dette intérieure plafonnée à 300 000 dollars américains. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des dettes qui ont été payées. Bon, on sait comment on sait comment ça s'est monnayé au niveau du ministère des Finances. Parce qu'aujourd'hui, les plus grands problèmes, vous savez, il y a les plus grands problèmes chez nous. Chez nous, on sait, il y a des études qui ont prouvé que les facteurs, les grands facteurs déstabilisateurs, c'est les désordres qu'il y a dans les finances. Oui. Ça, si vous continuez à faire sortir l'argent de façon désordonnée, c'est là où on remet en cause. Toute cette masse d'argent se retrouve sur le marché d'échange et puis ça crée la chute. Ça va entraîner le taux d'échange vers la hausse. Exact. Si au moins le gouvernement commence à se discipliner sur ce point-là, c'est vrai que quand on se discipline sur les finances publiques, ça va créer certainement des mécontents. Ça, c'est évident. Oui. Mais il y a au moins un effort qui est fait. Si déjà à ce niveau, on se discipline. Il faut saluer. Merci. On parle de. Dans ce pays, il faut apprendre à saluer de bonnes choses. Le problème, c'est qu'on va saluer, on salue, mais à ce niveau ici, il y a quand même des éléments. Et il ne faut pas toujours chercher la petite bête dans ce cosmétique. Il a tout à l'heure parlé de ce pacte de stabilité, mais il parle depuis 2020. Aujourd'hui, prenons que l'exercice 2023. Il parle de gestion basée sur caisse, mais par contre, les statistiques nous prouvent des dépenses exceptionnelles, parfois extra-budgétaires, à plus de 60%, ce qui est paradoxal. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas de raison de craindre? Parce qu'il parle ici, il y a encore dans la chaîne des dépenses, il y a encore énormément de dépenses à effectuer. Est-ce que ce n'est pas très tôt de pouvoir parler de ces excédents? C'est ça la crainte des gens. Non, l'excédent, comme Faustin l'a expliqué, c'est à un moment bien précis, c'est à une date bien précise. Au 31 juillet, et il y a eu cet excédent-là de 400 millions. Mais peut-être juste un jour après, cet excédent est retombé peut-être à 200 millions ou à 150 millions, parce que l'excédent qui est communiqué, il ne prend pas en compte tous les autres paiements informatisés qui sont encore dans les pipelines en attente d'être payés. Donc, moi, je dis ceci.
C'est vrai qu'il faut saluer. En tout cas, quand on regarde, on analyse... Jusque-là, on a fait preuve de beaucoup de discipline. Oui. Quand on analyse le 7 premiers mois de l'année, on voit que les finances publiques sont bien gérées. Okay. Et non seulement bien gérées, il y a eu un accroissement dans la mobilisation des recettes quand on compare à la même période en 2023. Puisque à fin juillet 2023, on était en... il y avait un déficit de plus ou moins 500 millions de dollars. Alors, quand aujourd'hui, on a un excédent de 400 millions, vous voyez un peu. Donc, les finances publiques se sont bien améliorées et le ministre fait un effort, en tout cas, pour contenir les dépenses sur base de financements qui sont disponibles. Okay. Ça, c'est, il n'y a aucun doute. Mmh. Mais il faut savoir aussi, et il faut nous qui sommes dans dans la chronique économique, on le sait, c'est que la tendance pour les ministres de finances, quand on arrive presque à la fin du mois, ils gèlent un certain nombre de dépenses qu'ils ne veulent pas payer. Parce que juste, il veut avoir que à la fin du mois, les comptes du trésor a enregistré un sort de créditeurs. De comptes qui seront mouvementés juste le jour d'après. Voilà. Puisque moi, je me suis permis de regarder... N'est-ce pas du cosmétique aussi? Voilà. Moi, je me suis permis de regarder les états... On ne veut pas qu'on utilise ce terme. N'est-ce pas du cosmétique? Je me suis permis de regarder les états des suivis budgétaires du ministère du Budget. Et là, j'ai vu par exemple que, vous savez, la caisse de... Les fonds de péréquation, il n'a pas été activé. Jusque-là, il n'a pas été activé. Pour 2024, c'est 700 millions de dollars qui sont dans les, en tout cas disponibilisés pour les fonds de péréquation. Et si on prend pour les 6 premiers mois, donc on pourrait dire que, en principe, si on avait activé ces fonds, on aurait dépensé 350 millions. Mmh. Or, les fonds de péréquation n'ont pas été activés jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas que ça. Il y a la dette publique. Mmh. Moi, je me demande sur base de quoi le ministre peut décréter qu'il ne paye que 300 000 dollars. Quand je regardais les... Bon, tant qu'il trouve un compromis avec la plupart des créanciers, là, peut-être, il n'y a pas peut-être. De problème. Mais est-il que quand on regarde les états de suivi budgétaire, pour les 6 premiers mois, parce que ce qui est publié jusque-là, c'est de janvier à juin, on voit que pour la dette publique, on n'a payé que 13% par rapport aux prévisions linéaires. Oui, c'est 13%. C'est, sur les 100%, on n'a payé que 13%. Ça veut dire qu'il y a... Voilà. C'était prévu, je crois, 575 milliards, mais on n'a payé que 75 milliards. Ça, c'est plus de l'austérité. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a une marge de dépenses. Voilà. C'est pourquoi on ne peut pas dire que cet excédent-là reflète un état réduisant de nos finances publiques. Non. C'est parce qu'on a gelé un certain nombre de dépenses qui fait que on a pu quand même dégager cet excédent. Exactement, mais nous continuons à vivre pauvrement avec des dépenses qui nous collent à la peau. Regardez par exemple, juste un exemple. Vous savez que Congo Airways, dans un mois, on pourrait peut-être lui retirer son agrément IATA ou perdre le certificat. Parce qu'il n'a plus de flotte. Parce qu'il n'a plus de flotte. Alors, qu'est-ce qui nous empêche si réellement nous avons des fonds qui traînent dans la caisse? Si c'était des vrais excédents, on pouvait prendre 100 millions, on achète 2-3 avions, et voilà. Merci. Vous me permettez de chuter par cette question. Bienvenue, Marie Bakoumania. Est-ce que ces excédents, on peut le classer dans le contexte des performances? Si on ne sait pas, si on peut les réutiliser, bien évidemment. Bien sûr qu'on doit les classer dans les contextes de performance. Okay. Simplement parce qu'on a eu un contexte où les dépenses étaient effectuées de manière plus ou moins un peu anarchique. Je ne voudrais pas faire l'économie des mots. Dans l'approche comparative, peut-être oui. Oui, on peut dire qu'on est parti du point A vers le point B. Ce qui est une bonne chose. Faustin, je suis content que Faustin l'ait dit. Quand il y a des bonnes choses, il faut aussi savoir applaudir et savoir encourager. Mais pour autant, sur le plan de l'absolu, est-ce qu'on peut continuer d'applaudir et dire que tout va bien, Madame la Marquise? Je pense que non. Parce que, et Amédée le dit très, très, très à propos, quand il dit que le pays, là, il est pauvre. Nous ne produisons pas assez pour faire face à tous nos problèmes. C'est ça le vrai problème. Lorsque nous pensons que pour 100 millions d'habitants, 16 milliards c'est suffisant, c'est qu'on a un problème. Parce que pour 100 millions d'habitants, c'est dans les 100 milliards de dollars pour fournissons cet effort pour multiplier notre budget.
pour multiplier notre produit intérieur brut, afin que nous puissions multiplier nos richesses, finalement. Ne nous contentons plus. Est-ce que la quête de statistiques ne pousse pas aussi le ministre de Finances parfois à jouer sur... Non, je ne pense pas que Moudou Famba, pour avoir discuté avec lui de la question, je ne pense pas que ce soit la quête de statistiques. Non. Je pense que le message était fort de dire il y a un changement des méthodes. Okay. Il y a un changement radical des méthodes de travail et qu'aujourd'hui, l'orthodoxie est de retour. Okay. Et je crois, je le dirai pas, je ne manquerai pas de respect si je me dis, ça me rappelle un peu les méthodes Matata. Hein, quand il avait commencé, même si après il y a eu, des dérapages à la fin, mais il faut dire qu'au début... Qu'on ne souhaite pas, Doudou. Non, on ne le souhaite pas. Si Doudou peut reprendre ses bonnes habitudes, on peut connaître une certaine stabilité. On peut, comme ça, on reste chez soi et la chaîne de la dépense vous demande de venir toucher votre argent ou vous retrouvez votre argent crédité sur votre compte. Ce sont des pratiques que nous encourageons aujourd'hui. Et je crois que Doudou Famba, lorsqu'il plafonne les dépenses, et pour tranquilliser aussi Amédé, il plafonne les dépenses à 300 000 $. Mais, 300 000 $ par opérateur économique. Mais rendez-vous compte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté des maisons, ils ont envoyé les enfants en Europe. Ce sont des choses comme ça que un gouvernement responsable doit regarder avec des yeux grandement ouverts comme ça. De dire, on va vous payer, c'est bien. Parce que souvent aussi, nous connaissons comment... cette dette publique a été constituée, on va vous payer, c'est bien. Vous avez quel projet? Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Si c'est pour payer des voyages en Chine, à Dubaï et ailleurs, ou s'acheter des maisons, à quoi ça sert? Ça ne participerait pas à la création des richesses ici au pays. Et je crois que toutes ces stratégies qui sont en train d'être mises en place, ça me rassure. Okay. Par rapport aux mesures... C'est quand même de bon augure. On se dit que cette fois-ci, en matière de programmation... Moi, je pense que ces mesures-là, ça me rassure parce qu'il y a quand même des perspectives d'avenir qui sont projetées. Qui sont projetées et qui sont très favorables. Alors, je vous dirai à tous merci. On a dépassé, je crois, 2 ou 3 minutes du temps. On se retrouvera certainement... au prochain numéro. On dit merci également à la grande équipe, à Doudou Famba. On dit, bon, écoutez, on vous donne toutes les chances possibles. Faites votre travail. On attend les résultats. On attend les résultats. Jusque-là, tout semble être correct. Il ne faut pas se noyer dans le système. Mais un peu dans la marge de ce que Bienvenu a dit tout à l'heure, il faut veiller aussi sur le fonds décaissé parce que les États sérieux veillent sur l'usage, même si c'est une dette publique. Et je pense que l'un des éléments essentiels de sauvegarde de richesse d'un État, c'est la protection de l'héritage. Il faudra qu'à ce niveau, l'État arrive. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas pérenniser les riches Congolais parce que l'héritage, on l'a laissé à la solde des familles. Ils en font ce qu'ils veulent alors que c'est de l'argent que l'État peut encadrer et pérenniser les entreprises encore les avoir. On se retrouvera très vite. Merci d'avoir suivi ce numéro de Kiosque Eco. Au revoir et merci.